Bonne nouvelle pour la bande de la diaspora éparpillée à travers le monde. Continue à bon et comme facile. Et ça le sous-souté au Katakayou, au Kenerote, les managers, Spotting la bande de Kombongo. Dans ce cas-là, il y a application sans de rêve au Ezali. Très facile. Au côté côté chargé à partir à téléphone, na yo continue la bande de au Baza, na Kinshasa, République démocratique du Congo, au Baza, na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement, bah, qu'on récupérer Mbongo Nanzela, il y a MPSA, Orange Manila Bango, et yo, et si ka ozali, bonne nouvelle, Miami Balé, Zali, que ceux qui ont téléchargé application Sandweb, et qu'on tindi na code promo Buzz TV, on reçoit 10 dollars, le la bénéfice, donc il n'y a pas mieux télécharger Mokonalelo, Marambaro Télémanagement Cécile, il n'y a pas mieux que ça, tinda Mbongo, la facilité, dès aujourd'hui, télécharger Sandweb Nanzela, il y a téléphone na yo, plus facile. Il n'y a pas mieux. Le Congo n'est pas un gâteau. Boni boni, mabota moko, boni boni bato moko. Basi kozwa kamboka anotage nde motuna ebe na ba elu o bazali na Assemblée nationale ba o bazali union sacrée bazali ko mi etuna mbote bandeko balandi Congo Buzz Télévision. Bienvenue na manaka na bino ya kopo na Congo. Merci na fidélité pe confiance bozoko ba ko pesa biso mikolona mikolo pona kosolaka mai matali mboka na biso mokili mobimba Tope mboka mobimba eza kotala ka bongo ba election ya bureau définitif ou ezali koleka kuna na Assemblée nationale temple ya démocratie wapi bisika mbilinga mbilinga ezali parce que ba oyo ba lobby ba pononi entre bango ba pononi entre ba famille ba pononi entre ba proche ba pononi bango na bango e ba député mosusu ba lobby e kosalemaka bongo te ba to mosusu pe ba ye kotia libaya ndenge toloba na Kinshasa pour que bango pe ba ponoma na isika wana e démocratie e zali ko régner to relique ya ke union sacrée roko ba ko fonctionner malgré que bande ko wana ba spéci pétition ba sali pétition ou ba signé pour ba kosenga bon présidium union sacré et longwa mais le peuple dans tout ça pendant ces temps ba institution et vandina noté 5 mois après prestation de serment à tata Mokambi Ekolo. On a comme l'impression que nous sommes aux arrêts à cause il y a maï matali politique ba sous balobi ezali problème il y a ma texte des osa la kembo que tambo la mala monté yango esali que to ou mais la penza na installation ba institution mais que dit la loi à propos que dit le texte en réalité to kozonga mo makasi sur cette question ce matin na bino pona kosola yango makambo matali bongo mboka na biso na bandeli ko poser question quid sur le peuple d'abord o ezali susu koloba mamingi te na jargon même ya bayo bayela ki biso yango puisque le peuple la population congolaise azali ko souffrir la question sur moyibi kanyaka pe bongo na bongo bato ebele lelo balobaka que bango ba hérité moyibi bango ba kuta ki système o ezali déjà en place o bango bazali victime et tu vois puis to komi boyendengi nini nini ko remédier sur cette question na ba cerveau sur ces plateaux nous allons essayer de réfléchir autour de la question mais mise au point il y a Idopes Nanzela secrétaire général naye ndeko Augustin Kabuya honorable à lobby talisi to pe éclairer opinion tata Mokambi Ekolo azana likanisi yako réviser to ko changer constitution te il n'a fait que répondre à une question posée par la diaspora bato yamite mamabe batika ko balola maloba ya tata Mokambi Ekolo to lobela Congo na tongo ya lelo na bande ko bazana biso sur ce plateau mon amboka Nathanael Onukumba o azana biso ndeko ya piste pour l'émergence. Bonjour et bienvenue. Bonjour maman Naomi, merci pour l'invitation. Je salue mon co-débatteur et les Congolais qui nous suivent à la maison. Ndeko au papi, il y a eu deux pèses. Moi, Namboka, bonjour et bienvenue. Vous êtes de l'UDPS. Oui, bonjour, merci maman Naomi. Et puis, nous allons saluer Bandeko, nous sommes Rolanda Bissolelo avec mon co-débatteur ensemble, Nathaniel. Très bien, merci beaucoup. Otto Bananayo.
Union sacrée bakei en ordre dispersé. Est-ce que ça déjà debi à ko éclatement y a union sacrée puisque koyokana ezalite yolanda qui décision ya présidium kotiaka bongo bakombo. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que manière makambe salemi ezali solo ndenge singala ke salem te mama Naomi façon makambo ezo tambula na union sacrée ezo lakisa ke toza na confiance entre biso moko na nuté. Et puis il y a eu problème, il y a batu bazo wele la. Donc batu balingi kotika ko respecter ba institution ya mboka te puis ko respecter na peuple congolais parce que tomoni ke non après élection ya mokonzi ya mboka ça fait maintenant plus de 5 mois tozo kende na 6 mois or balobi non c'est la constitution. Ce n'est pas le cas. La Constitution n'a pas dit que non, lorsqu'on organise les élections, nous devons prendre plus de 7 mois ou 6 mois pour avoir le gouvernement en place. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est la cupidité et à Bato Bazo prétendre qu'on dirige Bissot. Balingi, qu'on soit mboka en otage. Donc, Toloba, en réalité, Bazoui, population. En otage. Bazo mona souffrance aux populations azanangote na moya lelo. Et puis autre chose, bon monique mboka vraiment isa bloqué. Ponani mboka isa bloqué, c'est parce que batu oyo baza na cupidité na gestion ya mboka. Bazo linga ko aider mokonzi ya mboka en réalité likambo oyo bango bazo sala pona ko bloquer mboka. Bazo baza bango ba faut kaka bango moko bazala bango moko bazala ba dirige mboka or ce qui n'est pas le cas toyebi que non en toute chose na kati ya ko dirige mboka bayoka na ka ba discussion ezala ka mais ba discussion là ne peuvent pas nous prendre plus du temps pour que non mboka netilelo ndenge toza boye bitumba o toza nango. Il faut qu'il y ait un gouvernement responsable oyo akwa engager mboka en toute responsabilité mais oyo tozo mona bandeko oyo bazo prétendre ko diriger biso bazo sala en tout cas ils a soni basali soni ya oyo bango to bandeko kanisa bazaba to ya bwanye mais balagiti biso ke no bwanye mais qu'est-ce qui pose problème bato bazali ko lingate ko sa makam ndenge longo bani pouvoir en place oyo ezali ko koka ko s'imposer te je parle ici du chef de l'état oyo akoka epe ko côté les mélamakambo qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que l'île de paix ou l'union sacrée et ça montera montage ça la oyaling? Oui, maman Mokonzi ya mboka c'est un vrai démocrate. Alors il ne peut pas imposer aux gens sa volonté ou bien il ne peut pas imposer aux gens sa façon de faire. Il doit respecter aussi la constitution de la République. Parce que la constitution des OP Sabatouana, nous sommes dingis ça, ya que nous tous allons à Bango, les Londres et tous à Boué. Mais ce n'est pas aussi, n'est-ce pas, la constitution qui nous a dit que non, après les élections, nous devons prendre plus de temps de façon à ce que non, Mboka, tout bloqué Yango. Mais Oyo, Batou, Oyo, Nalobi, Oyo, Ezo, Sala, que tout se retrouvé dans la condition Oyo, tous à l'élo, et sa cupidité, ya Batou, tous à considérer que non, Baza, ba autorité. Oyo baza batu ya bwanya, oyo keno baza na bolingo. Et puis aussi, c'est manque ya bolingo, oyo batu na baza nango vis-à-vis ya batu, oyo bazo gouverne. Alors, ceux qui baza la ki na bolingo, balinga ki, ba élargir, ba faciliter mokonzi ya mboka, de façon que non gouvernement est en place, pour batambu isa mboka na ndenge elobami. Parce que mboka ndenge zo tambu isa malelo boye, ezala rabongo te. Merci beaucoup. Élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Quelques candidats au ba déposé bongo ba liste na bango. Topi ba candidature na bango. Vital Kamere a déposé ki Lubi Moleki na poste ya président. Dede Mopasa na poste ya caisse. Trésor Loutala, il y a eu deux pèses na poste à Kester. Dominique Munongo, il y a ensemble, il y a eu à déposer qui na poste à rapporteur adjoint. Constant Moutambapé a déposé Bongo na poste Moko Kakawana. Jean-Claude Tulumbaï, il y a eu deux pèses, premier vice-président. Serge Bati Kester et John Mbanza, Mosaïque, il y a eu deux pèses na poste à Kester.
moto azali ko meka ko compétir pona ko jouer sika parce que consensus au tour yaba candidature et baki ko pesa mati alors que sa temple ya démocratie ndeko Nathaniel Onokomba, est-ce normal d'être bloqué l'Assemblée nationale parce que quelques personnes balimba ça la volonté na bango balingité ko ça là pour que les choses avancent de ndakisa candidature ya mon amboka Christophe Mboso et Pessi Batonyon so Batomebele ba sepeli na yango te. Comment est-ce que vous trouvez lecture na yo sur ces sujets Zani? Bon, moi je pense que j'ai déjà répondu plusieurs fois à cette question. Oui, talimbo kanabiso na komi kuko na robateka na komo lembanzoto mais la prophétie bien auto bandé ko ban effet que ça accomplir. Pourquoi? Parce que aujourd'hui les pays comme la République démocratique du Congo, un pays continent, mais ils ont en otage par 6 personnes. Donc 6 personnes prennent en otage 120 millions de Congolais. Ils se disent, ils sont fous de ce qui va venir demain, ils sont fous de notre avenir, ils se préoccupent de l'avenir de leurs enfants. Ici quand je parle, je regarde plus les victimes. Les victimes aujourd'hui, c'est la jeunesse congolaise, la jeunesse depuis 85 jusqu'à ce jour, cette génération-là. Parce que bah, politique, bah, ça, les lots, ils se battent pour leur survie, ils se battent pour les survies de leurs enfants, mais c'est nous qui souffrons. Ce qui se passe dans le bureau et l'Assemblée nationale, ils ont juste un résultat et un simulacre électoral. Vous avez, j'ai écouté mon co-débatteur qui, tantôt, en train de dire que le président n'est pas obligé de nous imposer sa volonté. Je me demande, bon, je comprends très bien parce que c'est un communicateur de l'IDPS, donc tel secrétaire, tel communicateur, donc je ne vais pas lui tenir trop de rigueur là-dessus. Mais il faut savoir que on vote un président de la République sur base d'un projet politique. Et c'est ce projet politique qui est matérialisé par son gouvernement. Azouakana gouvernement, il nomme un premier ministre et c'est le premier ministre qui assure la politique de gouvernance, donc la politique de l'État. Pour ce faire, le président a créé, ou a bien ignoré, ça a créé fiction juridique, fiction politique, pour des ambitions démesurées personnelles. Nasukalango Asalinini a créé famille naïe politique. Alors, c'est lui aujourd'hui qui est la haute autorité morale de l'Union sacrée. Donc, aujourd'hui, tout ce qui se passe, c'est le président de la République. Donc, Awa, je ne serai pas dans un débat où l'Union sacrée, l'opposition, l'Union. Ici, le débat, elle est générationnelle. Nous qui perdons, nous qui souffrons. Nous qui prenons des transports, nous qui prenons des motos, ce n'est pas eux. La République est bloquée aujourd'hui. Batoubana Est et Bazot Koufa, matin, midi, soir, simplement parce que six personnes se sont décidées de prendre le pays en otage. Mais c'est Kabuya prend le pays en otage, Bemba prend le pays en otage, Oabiswengana s'est représenté. Il faut l'ekinanga zala, Mosolobinga la parti politique nanga ibana miki bazala ratenga, Mofona s'est représenté, Amitié, Bahati alobi, non, Ngaï Mkuna. AFDC sa partie, nanga funacha, moi nanangaï. Vous avez vu, vous voyez, même quand on dit temple de la démocratie, ça c'est la honte. Et aujourd'hui, maman Naomi, regardez, nous avons dans les 28, 27, les autres 30 ans. Mais depuis 97 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2028, on aura 32 ans qu'on a fait passer le pays. Dans 2060, RDC vous en a 100 ans. Pour quel avenir, pour quelle finalité? L'autre commence à débattre, Mboso, mais ils s'en foutent de notre pays. Ils ne veulent pas. Mboko est tel, Bango, tu es tel, Bango, Zambongo. Donc moi, je me dis, venir sur un plateau, dénoncer, dire qu'ils ont mal fait, ce sont des débats qui doivent être révolus. Cette fois-ci, moi, je pense que la jeunesse doit prendre conscience, même si c'est de l'Union sacrée. Nous sommes là que pour les matricules. Bazoara, bisoka pour la matricule. Bisotou. Ce qu'on a un parti politique, aux jeunes, il y a des gens qui ont matriculé dans la fonction publique, dans la RSP. Mais lorsqu'il faut les gâteaux, comme ça, pays gâteau, vous voyez aujourd'hui, dans le bureau Assemblée nationale, des individus à province Moko, Nani, Kamere, Sid Kivu, Serge Bahati, Sid Kivu. Vous avez déjà vu la géopolitique exiger de telles choses. Mais parce que ce sont des gourmands politiques, parce que payer talibangote, climat de paix n'a payé talibangote, ce sont les intérêts. Je dois mettre mon enfance et je dois contrôler. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, les gens ont tendance à exonérer le président de la République, chose qui est faux. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase moroboué où la jeunesse doit se réveiller. Mais elle dit que le président est démocrate, il laisse faire. Quelle démocratie il est? Dans leur parti politique, il y a élection. Quand est-ce qu'il y a élection à l'IDPS, dans le parti politique IDPS, pour dire que le président est démocrate? Quand est-ce qu'il y a élection?
Ils doivent arrêter. Quelle démocratie? La démocratie où on bafoue les lois de la République? Est-ce que la démocratie, c'est encourager le simulacre électoral? Quelle démocratie? La démocratie, ça m'a lobaté. La démocratie n'est pas celui qui respecte. Oh, je suis démocrate. Non, on constate que vous êtes démocrate. Mais il y a un dictateur, il y a un dictateur. Ah non, ma casse, il y a un dictateur. Attends, la volonté, il y a un dictateur. Mais RDC, il n'aura pas cette chance-là. Parce que la guerre devient générationnelle. Nous, de cette génération, on ne va pas le laisser. Les Congos qui se sont bâtis, c'est les Zaïre. C'est les Zaïre. Ils se sont bâtis pour les Zaïre et non pour le Congo. Les Congos dont moi je rêve, c'est les Congos de tous ceux qui sont nés à 85 jusqu'à aujourd'hui. Et ils se sont bâtis pour Zaïre. Zaïre et Leka. Na Zaïre, ça va bien comme sur Leka, na Zaïre, bon, bah, éviter. Je peux même poser une question aujourd'hui, malgré que ce n'est pas de mon rôle. Bissou, est-ce que bah, on va t'en aller à la campiste, na bon, bah, y'a pas qu'il y a un l'idabo, bah, y'a un hôtel. Bissou, tu es bien. Bon, bah, est-ce que bon, bah, y'a un rapport, bah, y'a un hôtel. Est-ce que bah, y'a un jambo, bah, y'a un hôtel. C'est nous qui vivons ce genre de réalité. Donc ce n'est pas aujourd'hui, il va dire, il n'est pas dictateur, il s'en fout simplement du peuple congolais. Il vient en République démocratique du Congo changer les vêtements. Quand il vient changer les vêtements, il part. Et ça, ça ne passera pas. Ça, c'est la bêtise. Et moi, quand je regarde la jeunesse congolaise aujourd'hui, je me dis, est-ce que cette jeunesse comprend? Mais qu'est-ce que vous avez déjà, Nini Yamabe et Zaline, candidature de Tiandeko Serge Bat, Tiazan Bat Capacité, Nyon Soaza et Lengen de Tibiso? Pourquoi pas seul le péché n'aipo Azabat? Non, les fils. Bon, moi je ne suis pas contre. Déjà, moi, mes enfants, ton Obo Tabango, n'ont balisé pour la Bango route. Mais en réalité, l'AFDC n'est pas un parti politique. Et la jeunesse qui est dans l'AFDC, je comprends, ils suivent les matricules, ils suivent les numéros matricules, c'est ça qu'on peut leur donner. Mais il faut comprendre que Serge Bahati est de Sid Kivu. Kamere est de Sid Kivu. La géopolitique de par nature exige qu'un bureau en base à la mi-balété, normalement. Mais pourquoi Bahati doit seulement mettre son enfant? Est-ce qu'il n'y a pas de jeunes au Babimba député dans l'Assemblée nationale? Vous allez dire compétence. La compétence, il occupe quel poste? Primaire ni Salemaki, pour Yaza la désigner. Et aujourd'hui, quand les gens regardent, ils disent non, colonne vertébrale de l'Union, c'est nous qui sommes exploités. Qui on va désigner DG là-bas? Très bien. Merci beaucoup, moi, Mboka Ndeko, Nathanael, Ndeko, Armand, Mokoya Baimboka Congo, To Yambio, Mbote, Pe, Bouebola. Mboka Nyoso, Bazolanda, Bissou, Nangongao, yo. Je tiens d'abord à présenter mes excuses. Ndela, Isa, vraiment ça ne va pas. C'est comme ça quand on disait que gouvernance, oye outigo le ranavu, province ya Kinshasa, Isa qui penza à la hauteur de à Moussala comme il fallait. Et donc, je crois, Daniel Bumba, il dit, Yeli, na gouvernement provincial au Barocha, il faut pas relever des filles. Nous n'avons plus des routes à Kinshasa. Ndela, moi, Mokeo et Zalinakin et Beba. Maboulo, embouteillage, du n'importe quoi dans Zela. Toza même na ba route secondaire. Et donc, ça, c'est un défi à relever. Pour l'État congolais, ici, ce n'est pas question à Onga opposant, Onga na linga politicien, Onga na linga régime, non. Kinshasa appartient à tout le monde, comme la RDC appartient à tout le monde. D'emblée, déjà, na yo kindeko. En face, Nathanael. Moi, je pensais à ça, là, peut-être analyse moko objective, mais vous voyez, son analyse, c'est une analyse orientée vers un individu. Je ne sais pas, soit on a un problème individuel, n'a pas papa Bahati, parce que c'est d'abord son père, je ne sais pas. De par mon éducation, Atan a commis ce qui n'dengenini, mais ce qui n'a pas le bas pour la moto, on a ébi qui attend moi, âge moi, mon képeza et le kanga, n'a pas eu moi, l'imé mien à ma loba. Mais écoutez ce qu'il est en train de dire. Mais, Yambona aussi, ça m'a le bas, au bateau et belé. Il fallait peut-être me laisser d'abord balayer. Oui, oui, et Zobi m'a dit, bateau, moko, franchement, y a bateau, mini, papa, moko, boy, kangi, moko, en otage. Écoutez, je vais vous donner des exemples. Le président. Joseph Kabila, Azamouane, il y a musée Laurent Désiré Kabila. Kouloutou Deli Sessanga, Azamouane, il y a papa Sessanga. Hein? Kouloutou Yves Kissombe, que je salue d'ailleurs, l'homme de la rationalité, Azamouane, il y a papa Kissombe. Hein? Kouloutou Jean-Pierre Bemba, Azamouane, il y a papa Jeannot Bemba. Hein?
tu es quoi donc ezali par exemple litani ebele madame mushebe quoi aza mwana ya papa mushebe quoi de reste mémoire et donc par exemple ça ebele ce qui tozui ndeko na biso ya INC il a d'ailleurs un parti politique c'est que j'ai comme information le fils de notre aîné Vital Kamerhe azape mwana ya VK hein? Il a un parti politique. Oui, ce que j'aurais appris, qu'il est chef d'un regroupement politique. Okay. Ce que j'encourage, on doit appuyer les jeunes. On doit encourager les potentialités des jeunes. Aller de l'avant. Pourquoi vous remontez à jeunes, à se combattre jeunes? Mais quand vous allez fouiller dans le background, dans le CV de ces jeunes-là qui sont en train de combattre, vous allez voir peut-être Bathie Yonaye, un CV Mamsou Koleka. Hein? Pour ne pas individualiser l'analyse d'Anna Serge Bahati. Vous voyez? Et donc, lorsqu'il s'agit maintenant d'un père qui est responsable, c'est ça la responsabilité de tout papa. Même moi tel que je suis là, mon fils Nicolas, parce qu'il est homme. Pour na kolobate, ba oya basi. Et donc, ce qui n'a lobby n'a préparé, je dois mettre tous les éléments scientifiques possibles pour qu'un jour, moi, n'en aza moi, mon responsable. Aza la utile na société. Ça, c'est pas un problème. Mais pourquoi lorsqu'il s'agit maintenant du professeur Bahati, c'est tout le monde maintenant qui s'aligne, qui commence à tirer sur lui. Vous ne comprenez pas que c'est une sorte d'acharnement. Ou soit une machination politique de certains de ses adversaires hein, qui se rangent maintenant pour ça s'en aller depuis. Mais Toboy compétent, Toboy compétent, c'était maintenant quand il y a ADC, ça, ça, est-ce que Zahie Mokondazan a non, compétence? Écoutez. Je peux vous rassurer que, d'abord, les choix de Serge Bahati Lukwebo, les informations que moi j'ai, parce que je connais bien les circuits, les choix de Serge Bahati, j'allais dire, ils ont émanation, il y a Bahi Nyonso Bahi Nakati à AFDCA. Et il y a qu'à AFDCT. AFDCA. C'est-à-dire, ils ont résultat, il y a pour parler. Il y a quoi consensus, il y a compromis au Ezoami Nakati, il y a AFDCA comme regroupement politique. Et donc, au sein de l'AFDCA, il n'y a pas que le président Bahati. Lui ne décide même pas, c'est la plénière. Quand on estime qu'un jeune comme ce monsieur-là, Serge Bahati, qu'aujourd'hui, ma machination, on aurait eu des informations selon lesquelles il y aurait un membre même du présidium qui crée cette machination. Justement, payer la presse, payer les communicateurs, déployer Bahati, tout. Mais finalement, c'est Il y a un autre problème. Deux personnes, bah, m'écoutent à coin mon corps. Non, moi, je ne suis pas. Moi, je ne suis pas en train d'individualiser mon analyse. Saisissez-moi bien, maman. Je ne cite pas les noms de quelqu'un ici. Okay. Si je peux citer les noms peut-être de Serge Bahati et de professeur Bahati Lukwebo, parce que baza bato ngana na limemi na bango. Ndenge mo pena bato mo susu mais na boy kotanga bakombo. Mais vous allez comprendre ma communication. Ouais. Je ne vais pas personnaliser ma communication ou bien mes propos. Et donc, lorsque vous voyez un monsieur comme Bahati Serge, je ne voulais même pas en parler. Yenda na yo kota na yo kiazo lobela. Lorsque vous le voyez, il y a un bureau d'âge, le bureau provisoire, bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Ce monsieur-là a contribué essentiellement pour la rédaction du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ce monsieur très intelligent, pétri de compétences, tel que moi, tel que Batomo Soussou. Il a fait ses études. Misoussou na étranger, Misoussou. Awa, Abandia, à qui étranger, actuellement, vous avez la master. Il a fait ses études aux États-Unis d'Amérique. Sans parler des États-Unis d'Amérique. C'est quelqu'un qui a une sociologie forte sur les plans politiques. Vous avez vu les résultats qu'il a fait là-bas, dans Kabari. Vous pensez que c'est parce qu'il est le fils à Bahati, il n'a pas le résultat, non? Non. C'est parce qu'il est compétent. C'est parce qu'il le mérite. C'est parce qu'il est aimé. Revenons sur le ticket. Si vous voyez même l'activité caritative, aux hommes, on a l'activité sociale sur le terrain. Vous sentez que c'est quelqu'un qui a la base sociologique palpable. Et ça, il y a un peu de temps. Non. Alors, dans tout ça,
sur le plan scientifique, il est calé. Mmh. Il est aux aguets. Dans la probité morale, une très bonne probité morale. Il y a déjà mon abat, tu en as qui n'a boîte à panda imbo. Oh, azui mbongo achebo et mloko la nini escalier. Oyoka. Les enfants de Bat, ils sont bien éduqués, maman. Ils ont fait de très bonnes études et ils sont bien éduqués. Oyoka été, oh, les kaké wa salagi soyu chantage. Non. Tout personnalisé, débatté, tout ce qu'on a dit. C'est pour dire ceci. Oui, oui. Non, maintenant, quand tu as un akatuana, n'as-tu pas autant. J'enlève Balbalaye parce qu'il n'y a aucune déco. À Betimoua Libakou. Il y a mon oreille au tigre, il y a mon tigre. Ouais, je ne pouvais pas laisser ça. Et donc, le choix de Serge Bahati est ici. Est ici à compromis à plénière, il y a recoupement politique AFDCA. Parce que, Namakambe ou Tsugole Gaba invalide injustement, bon, bien que, heureusement, la Cour constitutionnelle s'est ressaisie, une erreur matérielle, tout soit encourageant, à la moto, à la mérité. Alors, je viens maintenant à Namakambouya, Assemblée nationale. Non, écoutez. Madame Caroline Bemba, Vital Kamere, Serge Bahati, Mbosoko Diaki, président et bureau d'âge, président et Assemblée nationale et l'équipe, bureau d'âge et l'équipe, à se représenter, ça pose problème et Union Sacrée Boyang. Bon, il faut d'abord rappeler ici que on ne peut pas empêcher un Congolais de présenter ses ambitions. Hein? Ce qui te comme peut soit congolais, même âge naïe ou consort, au pas à moi na mouke, pour na zora bilo, surtout pour Serge. Mm. Mais je vous ai présenté un tableau peint, oh yaba, makambo zo salaki, beaucoup qui jamais kobo elai. Et puis, le président de la République encourage la jeunesse. Quand on parle du renouvellement de la classe politique, hein, du rajeunissement de la classe politique, n'est-ce pas, vous voulez combattre un représentant de la jeunesse dans la Assemblée nationale? Je crois qu'il sera le plus jeune dans le bureau. Mais là, vous allez les combattre. Pourquoi? Donc, même Bilenge, Alelo, Bilenge, Moko, je ne sais pas, excusez-moi le terme. On peut apparaître comme si on est des jeunes inconscients. Vous allez soutenir un vieillard ou un vieux pendant qu'un jeune a son postulé pour imprimer l'intérêt à ma jeune. Mais on est où? Entre temps, on dit quelque chose et son contraire. Pour la question, la problématique à géopolitique, non. La géopolitique s'est définie par rapport à la répartition de responsabilités institutionnelles sur tous les plans. Il ne faut pas caporaliser la notion de la géopolitique quand on a bureau en Assemblée nationale. Mais la poste, il faut lire les règlements intérieurs. Cette poste, tokuti bato bato. Non, il faut lire les règlements intérieurs. Mais écoutez, attendez. À l'époque, quand le docteur Vital Kamerhe, notre Koulout, quand il fit président de l'Assemblée nationale, quand le minant professeur Modeste Sibatu Lukwebote était question, comment ils ont fonctionné? C'est un faux fuyant. C'est pour vous dire que ce sont des gens qui sont là, Basangani, ils sont en train de créer des histoires, justement pour amener de l'acharnement envers l'AFDCA. Je ne sais pas, ce qui est l'AFDCA, ils ont. Ils ont connaître l'acharnement pour une organisation, non, je ne sais pas. Je ne sais pas, pour une discipline, non, je ne sais pas. Parce que ça commence un peu à faire. Vous êtes mal aimé au sein de l'Union Sacrée. Il y aurait un membre du présidium de l'Union Sacrée. Ce qui va continuer à réunir, il y a un autre qui va fuite. Et il est en train de manipuler la presse et certains communicateurs. Il y a un autre qui va fuite. Salami boy. Bon détruit mon tout, bon détruit. Donc il détruit presque tout. Merci beaucoup. Et attendez, Zéla, maman, là c'est ça. 30 secondes. Alors on se pose la question, on se pose la question, on s'est dit, on s'est dit, pourquoi alors qu'on dit, maman, compromis, aux autres, à il y a présidium. Non, nous devons avoir la sérénité en nous. Nous devons avoir l'exactitude et puis l'honnêteté en nous. Pourquoi tant que vous avez responsabilité, tant que vous avez compromis dans le présidium? Parce qu'il ne faut pas oublier ici que c'est le présidium de l'Union Sacrée qui conduit l'Union Sacrée de la Nation sous la philosophie de la haute autorité de référence, le président. Présidium des boutiques. Vouloir défier l'Union Sacrée, c'est vouloir défier le président, tu sais. Pétition est en cours pour la groupuscule, sous système dans le l'Union Sacrée, Kéboé, Zongiboé. Ça, c'est du désordre. Pourquoi j'ai dit ça? Je n'ai pas eu le temps d'imprimer document. Vous savez qu'au sein de l'Union Sacrée de la Nation, Nakati a présidium,
On dit que le regroupement politique, nous sommes même par rapport à au niveau du présidium, le regroupement politique, nous sommes signé qui acte d'engagement. Acte d'engagement. J'ai oublié, n'a pas ça ni qu'on imprimé document. Je suis allé fouiller, fouiller. Les hommes de bonne foi, Misusu, Babi, non, voilà, c'était ça, ça. Mais on ne comprend pas pourquoi Baton va créer des hommes. Parce que, nous sommes les salamis, les hommes, on a un ticket au Babi, Misipo, on a une union sacrée. C'était ici d'un compromis. Même Baton, nous sommes déposé ma candidature rebelle, ma candidature kamikaze. Ils ont été saisis. Ils ont accepté de s'incliner. Ils ont accepté, il y a qu'à faire foi, il y a qu'aux alanaline dans l'orientation, il y a bah acte d'engagement ou bah signé qui, il y a qu'à respecter, bah comprendre qu'aux hommes. Si on se dit tel Moutoua Kozala, ou en Akatia, il y a eu un définitif comme candidat unique, par exemple, il y a président de l'Assemblée nationale, ça c'était après les primaires, parce que il fallait peut-être bakinde, bayeba. Mais est-ce qu'il fallait faire après Misusu Balani, premier vice-président. Deuxième vice-président, rapporteur adjoint, c'est réservé à l'opposition. J'ai vu la candidature de Constant Mutamba. Je crois que ça va bien passer. Et puis, questeur adjoint. Et donc, ma candidature, Wana Nyoso, ça a été une concertation d'ensemble. Et donc, on est en politique. Il ne faudrait pas que nos amis de l'opposition va présenter. T'as fait ça en matière, évidemment. Merci beaucoup. Vous avez vu, on nous a dit qu'on y a un avis auto-déposé au candidat. Merci non. Beaucoup, mon le présidium de l'Union sacrée a consulté tout le monde. Montona moto va acte wana d'engagement va document les amis. Merci. Ils ont signé acte d'engagement pour le regroupement. Ils ont fait partie dans le regroupement ni plutôt dans la plateforme Union sacrée. Mais boni, Union sacrée, bah conti, bah solo li. Va présenter ma candidat par rapport à ma présenter un nion sur ma poids politique nion sur et respecter les géopolitiques. Mais finalement, dans tout ça, au moment, ma kamikaze, ma candidature est belle. Non, on doit éviter ça. Très bien. Nous sommes union sacrée. Il faut tout avancer. Il y a un présidium qui fonctionne. Même merci beaucoup. Celui-là qui sera entré de Arobimisara d'information, après ça, il va tout. Membre présidu, moi. Et ça m'a baissé, c'est pas bon. Merci beaucoup, mon ambo. Et donc, il n'y a pas question ici à Goloba qu'on individualise ma gamba de bureau déficit seulement pour Serge Barat, seulement pour X ou Y. Merci beaucoup. Il faut éviter ça. Ndeko, papi, il y a eu deux pèses. Tozon Yelao, Marobombo, Kawayo. Union sacrée en débandante. Est-ce que tout le bakelolo, comme déjà, qu'on est never, qu'on cabane à la carte union sacrée parce que, ben, présidu, moi, qu'on imposé. Rythme la bango, désordre la kati. Et il y a même une pétition au sein de l'Assemblée nationale pour qu'on ait la présidium et qu'on change manière il y a fonctionnement de l'Union sacrée. Oui, madame Naomi, merci pour la question. Otuninga, pétition au sein de l'Assemblée nationale, et ça n'a rapport ni à l'Union sacrée parce que l'Assemblée nationale c'est une institution. L'Union sacrée c'est un fait où ils ont créé en dehors il y a l'institution, il y a la République, d'assez. Dans son des théâtres qu'on est en train d'amener dans l'hémicycle et puis dans des institutions. On ne peut pas se moquer des institutions de la République. Est-ce que ces désordres profitent à la République, Bandeko? Désordre, ils ont profité à la République, mais quant à moi, nous avons souhaité à ce que non, que la démocratie va s'annoncer et puis la démocratie fera son travail. Parce que Ndenge Tokei, après avoir assez que non, la décision Oyo Ebima, Batubayo Kanana Presidium, bazwa ba décision ya keno ba s'arranger mutuna mutu parti na regroupement ba présenter ba candidat ba yokanité. Alors le kola ba yokanité, on va donner maintenant la raison à la démocratie to kende bandeko parce que toko kende na ba débat ya ba individualité sur le plateau donc ou bien ya ba génération té conflit des générations ne va pas nous profiter et puis on ne peut pas empêcher à quelqu'un de manifester ses ambitions parce que c'est la démocratie. Nous sommes en démocratie. Mais Pambo Sazala qui est président de l'Assemblée nationale, il faudrait être tika à la carte président. Mais qui a dit que non, il faudrait que Pambo soit tika parce qu'il n'y a donc il n'est rien interdit. Il a les droits. Tout ce qui n'est pas interdit est permis. Oui, tout ce qui n'est pas interdit est permis parce que Pambo Sazala, c'est un Congolais, il a aussi les droits de diriger ce pays. Alors, comment est-ce que moi, en tant que non, tel que je suis, parce que je suis jeune, je dois l'empêcher, lui demander de ne pas manifester ses ambitions. Quant à Ndeko, il doit
commencé à comprendre. Je l'ai suivi en train de dire que non, à l'IDPS, il n'y avait pas eu une élection. Il parlait de quelle élection? Que moi, je n'ai pas bien compris. S'il parlait des concrets, et que non, où, là où nous choisissons notre président, donc notre candidat, qui va nous représenter aux élections présidentielles, je vais l'informer à partir d'aujourd'hui que non, on était passé à un concret extraordinaire parce qu'on a des mots de... Il y a un président qui est là, qui est dans l'incompatibilité, qui est frappé par l'incompatibilité. Donc nous avions choisi un président en 2018 qui est frappé maintenant par l'incompatibilité. Il y a un président qui a été élu par la base de l'IDPS. C'était Félix-Antoine Tshisekedi qui est frappé maintenant par l'incompatibilité. C'est ainsi que non, en 2023, nous nous sommes maintenant décidés d'aller en congrès extraordinaire pour aller soutenir encore cette candidature-là de Félix-Antoine Tshisekedi. Alors, il doit être informé de ça. Alors, il a dit, Union Sacrée, c'est une fiction. Une fiction par rapport à quoi? Il doit nous expliquer bien ce qu'il appelle une fiction du chef de l'État, parce qu'il ne peut pas... Le chef de l'État est respectueux des tests de ce pays. Il ne peut pas imposer aux gens sa façon de voir les choses et sa vision. Oui. À quoi imposer bande côté Oyo Bazana Bango? Parce que ayebi que non constitution yamboka eza awa eza donc eza est organisé tout déjà. Alors lui azakaka visionnaire, il a sa ligne. Et puis il doit savoir le chef de l'État n'est pas élu sur base de le chef de l'État n'a pas un projet. Il travaille sur base du projet des partis politiques de l'UDPS. Le chef de l'État a un programme. Il travaille sur base de ces programmes-là. Parce que le programme qui va travailler avec le Premier ministre, avec son gouvernement, le programme est... Donc, je parle du programme, pourquoi? Parce que le programme est limité dans le temps et dans l'espace. Alors, le projet n'a pas de limite. Alors, il doit apprendre ça. À ne pas marcher dans des confusions, à ne pas marcher... avec des histoires qu'on est en train de lui mettre dans sa tête. Parce que pour le moment, je vois que non, ce n'est pas lui qui parle. Il y a quelqu'un qui parle à sa place. Donc lui est seulement télécommandé, va dire ceci, va dire cela. Au lieu de raisonner, il s'attaque à ses confrères. Il s'attaque aux jeunes comme lui. Alors, il est là maintenant en train de dire, oh non, ils sont des respectés. Tout ça, c'est pourquoi? Ce que moi je demanderais à mon frère, il est jeune, il doit se battre. En politique, on ne se fait pas des cadeaux. Si lui attend à ce que non, qu'on lui vient sur le plateau, bah, pour profiter, pour diriger Mboka, il se trompe. Awa, bah, papa Mboso, bah, il va se battre pour que non, tout le monde bango, biso to remplacer bango d'une manière démocratique. On ne doit pas utiliser, il y a pas sens, il y a pas haine. Ou bien il y a ba manipulation oyo ba tobazo tinda bango na plateau pour na ko humilier institution ya mboka. Puisque vous êtes leader de PES, est-ce que slogan la bino et le peuple d'abord, ils ont le ma société pour nani? Le slogan est là, il y a peuple d'abord. Et au salema. Oui, ezo salema. Peuple d'abord, peuple azo zelekeno tobi misa gouvernement et répondre na besoin ya population. Le gâteau d'abord, le pouvoir d'abord. Non maman, koloba makambu ya wana okena langage ya cardinal Ambongo oyo lobaki makambu ya gâteau oyo lelo. Je profite aussi de cela, une minute de silence maman pour na bande ko na biso ba kufaki oyo ba utai ko kunda plus de 35 avec la bénédiction ya cardinal Ambongo oyo ba bomi na Corneille Nanga oyo atindi ba M batonaye ya M23. Quel rapport y a-t-il entre Corneille Nanga et le cardinal Ambongo? Oui, cardinal Ambongo a elobaki awa que non parce que ba sali ba partage ya ba gâteau ba ndiko mususu ba se retrouver te yango nde etindi ba Corneille Nanga ba kende ko rejoindre M23 parce que bazana droit ya ko utiliser yango selon article 64 yango nde na zolo ba que non. Rapport au wana makambolobi ya gâteau ozongi na langage ya cardinal Frigolet Ambongo oya permeta ki nananga akende ko kuma bande ko na biso lelo oyo tozolela eza partage non c'est la façon que la constitution
a été tracé avant de diriger. Nous devons discuter pour s'attendre à ce que nous... Merci beaucoup. Toujours le deuxième sujet. La question sur la corruption, la question sur le détournement, la question sur les antivaleurs. Depuis Mobutu, Kino, Lelo, Tshisekedi, Pastole, Kakananzela, Joseph Kabila, Baike Balobi, Bakuti, Yango, Baza, Kouhérité, Yango. Donc, Baza, responsable, Yama, Ezali, Kosa, Yama, Lelo, parce que système politique est salema, bongo, miibi, moi, mingi, nakati, yambo, kanabiso. Mais pourquoi ne pas combattre? Déjà, Kino, Lelo, Kino, Esika, Oyo, Tokomina, Esika, Nini, Nali, Kambotali, Bundisaka corruption. IGF a dit ça la monsala. Namona qui organisation moko lutte contre la corruption. Pe bongo na bongo. Mais est-ce que et Sungi Biso Penza qui n'a l'Europe aussi les salikambo yango la corruption. Tous en bas cerveau sur ces plateaux. Ndeko Nathanael au Malobumbo Kawayo. Likambo ya corruption, détournement et les antivaleurs. Comment les combattre? Remède. Merci beaucoup, maman Naomi. Ton avant dit, avant de répondre à la question, ton avant dit, je me suis senti très mal, non, qui passe dans mon thème, ton avant qui m'a bandé, qu'on a mis balé. Dès qu'on a eu de UDPS, je ne sais pas autant d'années, peut-être au Kotakala ou bien Bandakala. Est-ce que êtes-vous fier de la gestion de votre parti politique? Kabouya vient de donner 1 400 000 dollars aux députés provinciaux. N'ensemble, la bombe à Jeep. Vous êtes fier de ça? Gêne comme d'être yo ouye pendant la plateau vendu aux bandités aux autres défendre pendant la UDPS. Ça, est-ce que ça a vraiment l'impact dans ta vie, la vie de ta famille et du Congo de demain? Tant dans l'oba qui a dans l'obi, c'est sans le matricule que ba gêne ba comment courir. Ici, moi je ne réfléchis pas parti politique, je réfléchis pays. Quand on vient, vous sentez monsieur Armand aillé, il dit bon, je le concède, Abi, non, ça débat personnel. Mais il parle de Serge Badji, ce n'est pas débat personnel, il fait allusion à quoi? Quand il dit débat personnel, ici, l'on parle de l'avenir général du pays. Vous avez de la compétence, mais regardez, vous vous substituez à un communicateur pour venir défendre un parti politique qui ne fait que vous rouler, vous donner les miettes, tout ça. C'est Congo, là, n'est-ce pas, tu réfléchis librement. Est-ce que tu es sûr que ce Badji est le côté, il va défendre Kabouya? Bachin de Kouarmé, le côté, redéfendre Serge Bati, redéfendre Ndeko. Ils n'ont même, je répète et je vous regarde droit dans les yeux, ils n'ont pas droit à mon respect. Ils n'ont pas droit à mon respect. Ils doivent respecter d'abord les pays. Non. Ils n'ont pas droit à mon respect. Le professeur Bati a servi le Non. Ils n'ont pas droit à mon respect. C'est un problème d'éducation. Ils n'ont pas. J'accepte. Ils n'ont pas droit à mon respect. Vous savez pourquoi? Le Congo a autant, a plus de 120 millions d'habitants. Ils ne respectent pas la vie humaine. Ils ne respectent pas nos frères qui sont à l'Est. Ils ne respectent pas les jeunes qui finissent les études. Vous trouvez ça normal dans un pays sérieux? Moutassi, ici, classe, ti, a une licence. Ma komo calculé, abima poto. Moutassi, a une licence, licencié en droit. Ma komo luka, ah, nabi manana luka 5000 dollars, nabi ma poto, là, qui est Canada, là, qui est beta kayou. Dans un pays comme le nôtre, où Bahati a été au pouvoir depuis. Et puis moi, je vais venir ici, modeste. Quel modeste est Bahati? Ce sont des gens qui ne méritent pas le respect du peuple congolais. Non, non, écoutez, madame, nous sommes dans une phase où moi je t'ai dit. On est venu débattre. Ce sont les gens qui détruisent ces pays. Je te rappelle. C'est le seul politicien de ces pays. Les six personnes qui détruisent ces pays. Président de l'Union sacrée. Si tu as besoin de les voir, il faut me dire. Moi les voir. Je vais t'amener. Quand nous allons accéder au pouvoir, ils seront ceux qui seront arrêtés. Toi-même, tu as d'abord un problème. Parce que je ne vous comprends pas. Vous étiez venu ici pour parler du prof Bahati. Tu veux me faire voir avec une personne qui t'a nommé communicateur de son enfant. Donc, yo, il y a qui a Paul Obelara Bahati. Moi, c'est pas ça le débat. Je parle du coup. S'il vous plaît, donc il y a la question. Retenez même si, même 7. Pourquoi on m'a le débat? Toi-même 7. Même 7 aujourd'hui, même Fayoul aujourd'hui, s'ils partent à l'encontre de la volonté du peuple du Congo. Sachez très bien, je serai sanguin. Donc là, les respects, on les rappelle honorables. La star, honorable. Du Congo, ça fait, la star politique du Congo s'appelle Bahati, alors. C'est ça. Oui, donc il y a une star politique à Congo, Bahati. Je sais que tu dois défendre ton salaire. Parlons pas calme. Rentrons dans les. Tu dois défendre ton salaire. Si dans les bras, frère. S'il vous plaît, tous ont la motune. Madame Naomi Pila, la différence entre moi et mes co-débatteurs, ce sont des communicateurs qui viennent communiquer pour leur parti. Moi, je ne les suis pas.
C'est ça la différence. C'est-à-dire, il y a Azolo Bela au parti naïe. C'est-à-dire, même si ils ont mabé, parce qu'ils ont parti naïe, Azolo Bela yango. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'un Congo au Wapi. Moussala Oko Zwango te sa recommandation. L'autre bête à ma solo, il y a 6 individus, 6. Bah, il y a Congo en otage. Mais lui vient applaudir et dit respect sur Bahati. Je me demande. Moi, j'ai venu sur un plateau parler de ça. Quelqu'un qui veut. Qui pour lui, la politique, c'est lui, sa famille. Est-ce que lui connaît Bahati plus que Chris Mukendi? Il va parler de Bahati plus que Chris Mukendi. Là, c'est la diversion. Tu étais à CCI, non? C'est la diversion. Ozaki na CCI, non? C'est la diversion. Ozaki na CCI, non? Et ça, diversion. Soyez calme, moi je parle de pays. Diversion. Non, moi je vous parle. Est-ce qu'il va parler? Qu'est-ce que Chris Mukendi vient faire ici? Mon ami Chris vient faire. Tu connais Bahati plus que lui? Chris vient faire quoi? Tu connais Bahati plus que lui? Peut-être, oui. Peut-être, tu as rejoint. Chris vient faire quoi? C'est lui qui a réussi ta nomination comme communicateur. C'est Chris. Est-ce que moi je suis d'abord de la fraise? Est-ce que moi je suis de la fraise? Écoutez, ça fait pas bien. Écoutez, pas personnalisé. Non, non, moi je suis en train de. On t'a dit que moi je suis de la fraise. Laissez-moi finir, madame. Ouais, laissez-moi finir. Ah, tu as quitté la fraise? Moi je ne suis pas de la fraise. Tu as quitté maintenant. Il y a mon nomination dans la fraise. Tu as quitté, ok, c'est bon. Je défends Bahati et ses œuvres. Ok, tu as quitté, c'est bon. Très bien. Ça, c'est quoi ça? Tu as quitté, c'est bon. Les peuples l'ont compris. Parlez, tu es dans la diversion. Moi, je défendrai Bahati jusqu'à ma mort. Je défendrai le Congo jusqu'à ma mort. Je défendrai le Congo jusqu'à ma mort. C'est ça la différence entre toi et moi. Okay. Tu défends Bahati, je défends le Congo. Okay. Je suis en train de parler. Le problème ici, c'est quoi? C'est-à-dire que depuis 1960, il y avait un système politique établi. Ce système politique de gouvernance de Mobutu. Je vous rappelle que quand Mobutu a voulu changer un peu les choses, il a fait appel à la conférence nationale souveraine, à la classe politique Moussous. Mais c'est seulement ces vieux-là qui sont venus. Heureusement, Mouzé, quand il est venu, Alinga qui a brisé. Mouzé a brisé, nous avons vu les Mova qui sont venus, les jeunes Kamere qui sont venus. Mais Mouzé est en Wakoufi. En 2003, dans Sun City, les vieux loups politiques, Bazongi. Le même système continue. Où aujourd'hui, ce sont les individus qui gèrent au lieu des institutions. La corruption date depuis. Mais quels sont les mécanismes mis en place? Il n'y a pas de mécanisme parce que le parti au pouvoir a déjà donné une autre définition à la corruption. Pour aujourd'hui, la corruption n'existe pas, mais c'est la motivation. Je cite M. Kabuya l'a dit. Augustin Kabuya a dit, désormais dans mon pays, la corruption n'existe pas, c'est maintenant la motivation. Quand déjà le secrétaire général d'un parti au pouvoir affirme que ce n'est plus la corruption, c'est la motivation, c'est ça le problème. Vous verrez l'IGF qui est censé réguler, poursuivre les détourneurs, lui-même s'est fait un petit dieu en recrutant les communicateurs qu'il appelle les Wazalendo. Pourquoi? Parce que lorsqu'il il va traquer un ministre qui ne va pas donner, il paraît, la rétro-commission, lui, il acharne sur ses ministres, il envoie les communicateurs aller en parler. Vous avez déjà vu l'IGF, institution, le roi IGF est recruté par communicateur. Sur quelle base? Désormais, l'IGF lui-même qui contrôle, qui les contrôle? Voilà pourquoi dans notre projet de société, nous avons dit il faut élargir la compétence de la Cour des comptes, supprimer l'IGF. Désormais, la Cour des comptes va élargir ses compétences et ira contrôler par-ci, par-là. Mais la Cour des comptes existe toujours. Non, non, on a dit la Cour des comptes existe, mais il faut élargir ses compétences. Parce que lorsqu'on élargit ses compétences, ça, il sera mis de contrôler partout. Alors que l'IGF, aujourd'hui, déjà, il ne fera pas bien son travail parce que d'ici 2 ans, il partira à la retraite. Donc, je pense qu'il est en train déjà de préparer son terrain. Voilà pourquoi il a nommé certains communicateurs qui sont payés par l'argent des contribuables congolais simplement pour régler des comptes à tel ministre, tel ministre, tel ministre, j'en passe. Donc, ici, les problèmes du Congo, toi, sous un problème, tu as la corruption, toi, le problème de la révolution, changement du système. Les changements des systèmes politiques, c'est-à-dire la guerre entre la génération 85 et tous ces vieux-là, il faut bakende. Il y a un moment où il va comprendre qu'il faut bakende. Est-ce que vous pensez que la jeunesse a mieux que Baronion se gérer depuis 60? Non, ils étaient jeunes aussi. Mais ils étaient jeunes quand ils ont le pouvoir. Comme ils étaient vieux. Maintenant, aujourd'hui, le problème, c'est que la conscience collective de nous jeunes qui sommes victimes de ces systèmes politiques aujourd'hui, il faut tout changer. Il faut tout changer, Maram Labisso. Comment vous avez dit ça? Opposition, c'est la majorité. Les gens dans le Congo, maman, non, mais moi je parle avec mon cœur. Toi, tu penses vraiment qu'en République du Congo, 31, comment jeune? Quand tu as 30 ans, tu dis, ah non, non, jeune. Là, c'est non, 36 ans, 37 ans. Non, bah là, non, ça là. Mais hors dans d'autres pays, 30 ans, comment préparer retraite? N'a 45 au KI. C'est ce Congo-là que nous rêvons. Vous pensez que nous serons fiers aujourd'hui de voir que Maman Denise a repris sa bourse. La fondation est privée, mais le pays ne donne pas de bourse.
Nous, nous serons fiers de ces pays. Et moi, je viendrai sur un plateau, je parle de AFDC, je parle de l'IDPS, je parle de LGD. Ici, on doit parler pays. Qu'est-ce qui ne va pas les prêts? Mais les problèmes, le problème, c'est l'homme politique congolais, c'est l'homme congolais, ou le problème, c'est un système établi depuis de générations. Les problèmes, ce n'est pas l'homme congolais, les problèmes, c'est le système. Le système établi, c'est un système qui ne donne pas accès à d'autres personnes. C'est un système qui ne donne pas accès aux gens qui n'ont pas de nom. Vous voyez? Aujourd'hui, si tu n'as pas un nom, tu ne vas pas accéder. Lui, il parle de erreur matérielle. Vous savez, si on doit parler de l'erreur matérielle, entre Honoré Mvula et Serge Bahati, qui mérite d'être rentré dans la liste? Entre Honoré Mvula et Messie Tshilumbaï, qui mérite d'être dans la liste? Entre Honoré... Si je peux commencer à citer les noms, Honoré Mvula, c'est un jeune aussi, il est de l'Union Sacrée, non? Mais pourquoi on n'a pas parlé de lui? Parce que lui, il n'a pas un père qui ira parler de lui la nuit. Il n'aura pas un père qui parlera de lui la nuit. Nous voulons un Congo. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de parents, tu n'as pas de renommée, mais tu as ta tête, tu as ton intelligence. Oui, pose-lui. Mobutu a réussi à faire ça. Nous connaissons des professeurs Odimola, les professeurs Ndombaka Béaro, Aza, président de cour de cassation. À comment professeur Nambongo, Niamboka, non? Alors nous, on va discuter sur le matricule. Moi, je viendrai sur un plateau parler de matricule. Les beaucoup. Problèmes ici, j'ai fini, Madame Naomi. C'est la prise de conscience. Même vous qui êtes devant moi, si vous touchez les miettes, aujourd'hui 500 000 dollars qu'on vous donne, sachez très bien que le pays compte plus que ça. Bisotoko va nous souffrir, tel Nicolas, Bappé sur 1000, Bappé sur 2000, il y a un plateau. Sérieux, tu commences à défendre Kabouya, même lui-même. Ce Kazaki communicateur, à Olingata, il défend. Merci beaucoup. Alors, madame. Ndeko Arma, Osana Maloba, la question sur la corruption. Il n'y a pas longtemps, Moko Yaba ONG et Bimisaki rapport Kotali Sara que Sénat, l'Assemblée nationale, Basale Limbongo Koleka, 1 milliard de dollars, Moussou Soupona Rosomba Babus, et côté. Koleka, Mosolebele, surfacturation, la question sur la corruption, les détournements, tout ce qui va avec, comment combattre Yango? En termes de gouvernance, y a-t-il une différence entre l'époque Kabila et l'époque Félix Tshisekedi? Voilà. Je voudrais d'abord préciser ici que, aussi longtemps, du fait que bah, regroupement politique union sur membre et à union sacrée bah adhérer qui n'a acte d'engagement et à appartenir à la majorité parlementaire au union sacrée de Missy. Et donc il faudrait bah à la respectuer na bah compromis union sur zozo malakati à union sacrée parce que la majorité parlementaire c'est l'union sacrée. C'est du kamikamisme, excusez-moi de dire comme ça, c'est du kamikaze. Comme on a que déjà, majorité parlementaire en question, au binobo signagi acte d'engagement, na moi ce qui a février, presque tout le monde. Même, c'est dans la même logique, même madame la première ministre, Judith Toulouka, a consulté qui même la majorité parlementaire, avant de consulter opposition. Et donc, sortir en dehors, il y a des prérogatives où ils ont déjà fixé pour la ligne de conduite à majorité parlementaire à travers l'acte d'engagement au regroupement politique Nyonso Basignaki, qui appartient à la majorité parlementaire il y a 2023-2018, que Bimalibanda Yango, ils allient la rébellion politique dans la Union sacrée. Ce qui n'est pas bon. En conséquence, je demanderai au bureau provisoire de l'Assemblée nationale, de rejeter carrément ma candidature Kamikaze Wana Mosusu. Ah bon? Sans compter ma candidature, ils ont déjà fixé la ndenge ya Union Sacrée ndenge. Vous tenez à la décision, il y a Union Sacrée. Moi, je demande. Non, non. Moi, tu baboyi, t'es? Banani baboyi. Puis nous, on a la plupart. Non. Il y a ma députée, Union Sacrée, ma salle de déclaration. Écoutez, j'ai beaucoup de respect envers nos députés, dans la démocratie. Baza bato, bazo formé. Donc noyau en est la majorité parlementaire n'a bisou n'a un respect mignon envers Baron comme moi aussi demain à cause à la députée n'a un candidat en 2018 ainsi de suite. Mais au delà de tout cela, vous allez voir qu'il y a une machination parce que c'est pas normal. Mais vous avez aussi vu les communiqués du présidium de l'Union Sacrée où ils ont aligné même bah, candidat Oyo bah, ici à compromis. Il y a présidium à l'Union Sacrée. Quand on parle du présidium de l'Union Sacrée, c'est l'Union Sacrée. C'est-à-dire, ça présidium, et puis en concertation, on a un regroupement politique, l'Union Sacrée.
Attendez. Vous pensez. Non, oui, oui, oui. Nous sommes dans la machination. Vous pensez que M. Kabuya, l'honorable Kabuya, le président Kamere, le président Jean-Pierre Bemba, M. Sama Lukonde, l'excellent Sama et puis le professeur Bahati Lukwebo. Donc vous pensez que ce sont des petits enfants? Donc ça, bah, tout moko, bah, yeka, bah, pour apprendre à communiquer, moko, boya, auto-aligné, bah, sans qu'on consulte. Non, je ne crois pas. Ce sont quand même bateaux miteux au sala batamayele. Il faut peut-être faire mon respect. Moi, je pense que nous avons insisté les sous-sous. Nous avons signé un bureau provisoire. Tant qu'on va retraiter le dossier, on va rejeter le candidat de Kamikazo. Parce que c'est, ça, c'est créer l'embrouillement. C'est créer du désordre. On fait partie Mbosso à la fois candidat, à la fois président du bureau provisoire. Non, non, mais ça ne l'interdit pas. Ça ne l'interdit pas. Nulle part, il lobby dans le règlement intérieur, même à ce moment-là. Il n'y a pas de traité sous-sous. Qui a quelque part. Non. Si ça ne dépendrait qu'il y a pas humeur à Batoué. Mais nulle part dans la légalité, bah, Pékissiano. Soyons légaux. Alors, ces gens-là qui viennent au terrain, ils ont posé un poste à Kester, on a eu tout. Mais aux gens, l'union sacrée. Non, mais. Il y a Ndiamwisi qui a surpris l'opinion avec candidature à la deuxième vice-présidence. C'est pas bon. Ça, c'est de l'embrayement. C'est du désordre. N'est-ce pas la démocratie? Non, non. La démocratie est différente de ce que nous appelons libertinage. Hein? Liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté de manifestation, ils ont différent dans le libertinage. Démocratie, ils ont différent dans l'improvisation dans le cadre du système politique. Démocratie, ils ont différent dans le trouble désordre. Où est-ce que trouble, ils ont créé désordre? Mais si, comme Mme Dédé, est-ce que trouble, ils ont justifié la phrase? Il y a Joseph Kabila qui a dit que la majorité au besoin de l'écouter, bien cher. Non! Le basculement avait respecté la constitution. C'était une période révolutionnaire. Le basculement avait respecté la constitution. Et le Sikamo côté constitutionnel a été violé. Tout le monde qui peut la République Moussou, tu peux dire que la République Moussou. Détournement, corruption. Nous sommes toujours à la toile. Comment combattre moi dans mon cas, ok. Et donc, Nayokindeko Nathanael a l'obimo abilo au moko au nakoki kolekisate. Vous savez. Aujourd'hui, s'il y a une institution autorisée qui peut s'amener crédibilité, hein, parmi les institutions Moussoussou, il faut tout compter par l'inspection générale des finances. Mon cher ami, combattre l'inspection générale des finances actuellement, ils ont le rôle de l'ingambo kati. Tu es communicateur. Écoutez, 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 ils sont en train de parler, écoutez. Azolo Baïzef a recruté Batou. Quand vous amenez les histoires sur la télévision, est-ce que vous pensez à ma mon abino? Wazalendo, papa. Tu me parles de Wazalendo. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec ça? Même les noms. Tu fais partie. Non? Qu'est-ce que j'ai à voir avec vous? Tu fais partie. Wazalendo. Calme-toi. Défends, tu fais partie. S'il vous plaît. C'est de la diversion. Il faut aussi qu'on ait un débat au lieu qu'il y ait diversion. C'est de la diversion ce que tu fais là. On est à diversion. Tika na débat. Au lieu qu'on ait un débat, il va raconter. Défends, tu fais partie. Reste dans les débats. Tika diversion. Tu comprends que je maîtrise maintenant. L'inspection générale des finances. N'a nullement recruté moto. Ils ont la communicateur, ils ont la journaliste. A tikala qu'on recrute à ta moto. Mais l'inspection générale des finances, ils ont la service n'a communication. Ce qui est de son droit, c'est comme dans tous les services, ils ont un département n'a communication, il a un conseiller en communication, il a des gens qui travaillent dans la cellule de communication, et ce sont eux qui font le travail. S'ils ont peut-être des rapports ou des communications à faire, et qui va relayer mon média. C'est quoi ton problème? Ça s'est fait partout dans toutes les institutions, dans les cabinets, dans les entreprises, instituts. C'est une institution. De deux, Azoko Sao, après tu rabattu chaque fin du mois. Monsieur, apparemment, bien sûr, ça va en abattre. Yo, mon essai, il va foutre abattre à chaque fin du mois. Mais tu veux dire, il y a conseiller à communication. Je ne peux pas laisser passer ça parce que je suis d'abord communicateur de l'Union sacrée. Et l'IGF, c'est un service dans les institutions politiques de notre pays dans l'administration, l'IGF est apolitique. Mais bon, pourquoi besoin de politiser hein? Défends, papa. Alors, si l'IGF fait son travail, pour ne pas parler même d'Alinguete, parce qu'Alinguete, c'est un individu à la tête de l'IGF, mais il passera. Mais le travail que ce monsieur-là a fait depuis l'inspection générale à la finance, Yebana, Moussala Netika la Salamate, aujourd'hui. Ça a rapporté quoi à la République? Mais maman. Aujourd'hui, l'accroissement des recettes dans les cités en Afrique du Sud. Mais écoutez, quand vous voyez la DGI, quand vous voyez la DGI,
na mois fiscal y avril ou y a année ou y a outé koulika. Quand la DGA atteint le seuil y a recette allez qui a dépassé même parce que le seuil bassination est acquis estimé dans 7 milliards DGA qui a dépassé comme n'a pas 10 milliards mais c'est grâce à patrouille financière à IF. Il y a contrôle na ewana a posteriori a priori qui construit les sites na concomitant. Et donc, ça veut dire tout simplement que ça, c'est la diversion. Au contraire, moi, je dirais, yonde ma foutu au bon, pour yonde, même sa image d'inspection générale finance. C'est ton travail. Chez moi, ça... Non, non, c'est pas question de mon travail. Mais si fais ton travail. Bino, vous, a... bon, vous êtes les gens qui soutiennent les prédateurs. Quel prédateur? C'est pourquoi on vous sous-traite pour que vous puissiez combattre l'IGF. Vous comprenez? Écoutez, vous comprenez? Madame, il parle si aujourd'hui nous parlons par exemple du dossier forage lampadaire, tu vois, toi, tu es Congolais. Tu n'es pas Congolais. Il y a de cités. Attendez, mon frère, attendez. Nous, attendez, on parle du pays. Attendez. C'est le pays. On m'a dit que tu on m'a dit que tu te prépares pour te marier. Attendez, mon frère. Je sais que tu es un monsieur intelligent. Je sais que je te vois aussi. Tu as l'art d'être responsable. Quand tu vas te marier, quand tu auras des enfants, quand tu commenceras à voir bah, des tournements, wana, oyo kasiko, o compagne qui bat bah, dans les Congo que je alors, si l'IGF vient avec ses contrôles, il vous dit non, ici, hein, ça ne va pas parce que c'est dans ses prérogatives. Et vous venez, vous dites non, IGF déborde, ainsi de suite, parce que Azol Nga qui est de ceux qui retraitent. Qu'est-ce que ça a à voir avec sa retraite? Parce qu'il vous a recruté. Calmez-vous, s'il vous plaît. Asa Moussa, le travail. On peut pas retraiter dans l'année. Qu'est-ce que ça a à voir? Bien le travail. Écoutez. Il y a beaucoup de ministères. Tiens, ils ont gondé son argent partout. L'IGF fait son travail partout. Il faut descendre, il faut donner ça à la justice. Faire son travail. Mais c'est à la justice de nous aider. Ah. Tu ne peux pas dire les communicateurs. Oh non, Asalibo, il vous donne vous les communicateurs. Ça, c'est limite là. Il vous donne vous les communicateurs. L'IGF fait son travail, il fait les rapports à la justice. Ah. C'est à la justice de nous aider. Des poids de mesure. Vous allez accepter que des poids de mesure. On y m'a ouvrage à forage Moroba. Moussa là, $300,000. Il y a $700,000. Il y a $700,000. Exactement. Rapport, il y a $700,000. C'est montant d'antenne. S'il vous plaît, c'est montant d'antenne. On vous paye pour montant d'antenne. S'il vous plaît, c'est montant d'antenne. Il y a soit discipliné. C'est montant d'antenne. C'est montant d'antenne, soyez disciplinés. Des fois l'argent, mon cher. Ouvrage mon cas à lampadaire. On vous dit ouvrage mon cas à lampadaire, on a 6500 dollars. Plus de 1400 forages. C'est combien de kilomètres de route? Les 13 millions là volatilisés. Vous blaguez avec le peuple congolais. Vous blaguez avec le peuple congolais. Vous pensez de Mouanéza? Il y a un ministre, M. Nicolas. C'est pas l'argent de M. Nicolas. Pourquoi Nicolas est venu? C'est pas son argent. S'il vous plaît, je serai obligé d'arrêter. Est-ce que c'est l'argent de Bacheli? Armand, on répond à mon tout. On a même payé mon Nyonso. Armand, vous n'avez pas répondu à ma question. Dans mon urgence, vous pensez que c'est normal? Il est payé. On vient parler de ça. Oh non, IGF, IGF déborde. Tu vois comment moi, je suis IGF, moi. Je suis Congolais. Il est payé. Et je dénonce. S'il vous plaît, la question. Ce monsieur Loi, ce monsieur là, Nicolas, il faut répondre de la justice. La Sénat, toi, c'est la IGF, la Sénat. La question, c'était sur la corruption, le détournement de Mobutu Tshisekedi. Nous sommes des élites, nous sommes des cerveaux, nous sommes des scientifiques. Réfléchissons. Na étape, pourquoi tu longi yango te ni to sala ko to longa yango nde mutuna. Je voulais citer par là. je tenais à balayer d'abord ma mbaloba parce qu'il n'a encore dit mata bébé sa image. En quelques, inspection générale finance aux osa la ça maintenant. Sous l'impulsion du chef même étranger chef animi à lobby l'IGF. Tozi la ina sina. N'est qu'un instrument. Azo sa musala na vision mo konzamboko. Ata bo combattre alingete parce que c'est lui qui dirige. Sina ya 1 milliard. Ata bo sali nini alingete azo sa la musala il fait sa part. Et la nation lui sera reconnaissante. C'est tout. Le reste, ma politique n'a bino, ce qui pour bomaye, ce qui nini, n'est toujours dénoncé en gros, kosele ma kambou. Ça, nous avons bien payé. Tu es bien payé, apparemment. Alors, maman, vous savez, dans notre pays, tout ça, le syndrome moko, oyo, et la taposo, il y a bateau, il y a kambara, incision, il y a mbo cannabiso. Et ça date de très longtemps. Alors, pour avoir des virus, justement, il faut un instrument. Il y a contrôle, il y a finance publique, il y a la IGF. Le quoi la Cour des comptes. C'est important. Ne m'en brillez pas. Il faut qu'on appuie. Pourquoi? Parce que, va décourager, justement, va m'envoyer les autres qui n'ont pas de sous. Dans ma paradis fiscaux, dans ma détournée. Malgré soit les professeurs nous ont le bambi, l'avaient dit, plus de 14 milliards de dollars. Bon, ils ont dilapidé, car ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils. Alors, il faut qu'on appuie d'abord un instrument distinctif pour appuyer dans le contrôle bancaire et finance publique. Deuxièmement, il faudrait que notre justice nous aide. Ce qui m'a mis ça, les salamis,
et que moto moko to songolo pakala ba tiena maboko ya bazuzi bazuzi ba songa biso toza na justice moko ya lokola ya ba jeté hein toza na justice moko cosmétique té ouais quand je le dis je suis de l'union sacrée mais je le dis il fallait pas qu'il y ait une opposition pour le banc. Ah donc dans tout ça ça demande vraiment un travail de fond et puis bah parlementaire na biso fuba songa biso bango pe fuba ça contrôle la malonga parce que ils sont souvent na kati ya mba biloko mo ils sont dans les manœuvres politiques mais il faut contrôler ça la maraya solo il faut aller il faut ba contrôler exécutif comme il faut ko yeba mosolo wana nyoso komeka ko canaliser on siko ekende na ba programme to pe ba projet o ezali prioritaire notamment à ma camionnette armée, qu'on renforce PDL 145 étoiles, gratuité de l'enseignement, gratuité à maternité, na ba programme phare, Moussous Bandila, le social, Bilanga, ainsi de suite. Pour équilibrer l'économie en mort à la biseau. Vous voyez? Na ma camionnette à eau, c'est là qu'il y a l'eau, comme on dit, l'eau, qui va bien l'eau, ce qui pose un problème. Non, mais c'est faux. Attendez, je vais vous donner des éléments. Il faudrait d'abord comprendre une chose. Il ne faut jamais associer le fonctionnement de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il faut toujours dissocier. Parce que chaque chambre a son autonomie financière et son autonomie administrative. Vous comprenez? Ça, c'est de un. Kosangi sayango, ezali kozanga koyeba, tope bato, yoba yaka, lobia, lobia, lopo, ba yebisi, aloba, bebisi, la moutu. Ou est l'institution, avec sa institution, image. Deuxièmement, pour le Sénat, parce que je vais marteler beaucoup plus là. Tango, questère ya Sénat, dont la question, et ça la kamoussala na yango. À chaque temps, ce qui session est commis à souka. La question du Sénat, à travers le procès Batulukwebo, bien sûr, bureau sortant, bazara toujours na, et zale loin ya roya rope sa, rapport final, ya ndenge, makambo salami, et zalanakati ya finance. Dans ma cambouille à Sénat, conscience, et ainsi de suite. Donc, tu as toujours monté pour yon kake plénière, parce que un baya kabaya, question ou un eria qui a la plénière à Sénat, et petit rapport. C'est pas un andera pour pas tamo. On n'a jamais entendu que, oh non, il y avait un problème, ceci, cela. Non! Avec les bureaux sortants bâtis, tout a été clair. Puisqu'il y a des dénonciations. Troisièmement, attendez, non, c'est une ONG manipulée. Le chef ne s'est pas saisi. Non, non, c'est une ONG, c'est une ONG manipulée. Non, mais le bureau sortant du Sénat, à travers un communiqué officiel, a lobby à saisir justice, à porter plainte contre un inconnu. Okay. C'est une ONG manipulée, nous le savons. Bah, adversaire politique, il y a Batomo Soussou. Nde ba komi ko manipuler na ba ONG atali atali mamsu ye image na ye beba alobi bon nga pe na bombarder na ko se wa makam et puis maman na trésorerie na biso actuellement la notre trésorerie a un problème sérieux parce que mon mingi ezo ke na ba effort de guerre mon mingi ezo ke nde kuna ba fond mingi ezo ke nde kuna alors mon solo ni nyoyo na finance o ya mboka na biso lelo ba robimisa ce qui combien parce que ce qui est mia. Vous blaguez avec notre pays. N'a difficulté aux alentours. Et puis, ma porte, il y a Sénat, même les bureaux sortants, ils sont toujours ouverts. Sauf so, que même le bureau comptable. Sauf que, bon, au moins, ils sont toujours ouverts. Sauf que, aux hommes d'information, sont pas comme ça. Et puis, ils ont une ni une identité physique, ni une adresse. Très bien, merci beaucoup. Donc, ce sont des machinations, des histoires montées de toutes pièces. Merci beaucoup. Peut-être pour, quand même, ça aura une il y a mon amour à Bati. Oh, ton mon île, comme il m'a dit, Sénat. Batou, baso applaudir, syndicat, féliciter, Atiki, Makamba, Ender, Lomoli, Atiki, Baloko, Sika, Abakissi, a quadriplé même Babarem salarial, Nassina. Moi, Mokandeko Papi, Malobombo, ça c'est n'importe quoi. De l'UDPS, vous avez combattu la corruption, le détournement pendant 37 ans. Qu'est-ce qui fait que les lots, UDPS au pouvoir, c'est chaque jour, c'est chaque semaine, c'est chaque mois. Na trimestre mort kolobate que détournement, corruption, motivation. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi bozo kokate ko vaincre système ou outil de Mobutu à Kabila, le loti seke de pouvoir? Oui, madame Naomi, merci. Merci pour la question. Et la question et la dimension, il y a l'ikolo makasi parce que
avec la corruption, tout un pays, toute une nation peut être détruit. Alors, Madame Naomi, nous avons combattu la corruption pendant 37 ans. Nous continuons toujours à combattre la corruption parce que on ne peut pas, parce que la gestion d'un pays, d'une nation, c'est de la rigueur. Sur ce, Madame Nazoye Bisayo Keno, toyaki, tokutaki corruption, tozana katia ko combattre corruption, et naba oyo bakoya, bako continuer, nako combattre corruption, parce que même aux États-Unis, jusqu'au jour d'aujourd'hui, bazana katia ko combattre corruption, mboka oyo ba institution ici et fanda, même de grandes puissances. Non, ba milliard oyo bino. Non, madame, laissez-moi d'abord parler. Ba milliard oyo bino bozolo bawana, ça sont des chantages. Parce que na moya lelo, toza na budget ya 16 milliards, oyo l'État a mobilisé comme recette na ye. Ba dépenses est bien déterminées et orientées. Maintenant, comment est-ce que pour une seule institution qui est l'Assemblée nationale, babimisa 1 milliard de dollars, babimisa ngo quand, et c'était aussi pour quel motif, et puis ebima ki na dépense nini, ya budget ya mboka na biso. Alors, nous ne pouvons pas continuer à humilier les institutions et à donner des fausses informations, des informations montées quelque part, des fake news. Comme Oyonde Konanga, Nathan Zanakati, ya Kosala, Nazo. Nazo se retrouver te naza na, d'abord au lobby que aza ya Congo émergence aza ya quel courant piste pour émergence quel aza courant nini parce que nazo comprendre te il est chez Seth Kikuni. Oh là, son il a emboîté le pas de ce monsieur là, un vrai revers de la République. Je comprends. Alors il doit apprendre à respecter les institutions. Tu dois faire ta carrière et ne pas faire la carrière de Seth Kikuni, parce que Seth Kikuni n'ira nulle part dans ce pays, avec sa façon de rêver des choses et sa façon de voir les choses. Mais, yoso qui ont continué na Polanda bilo kwa na ya lo bakayanzela de la rue, tu vas rester aussi dans la rue. Alors moi, je vais t'aider à ce que non, au luka, kwa améliorer au longwa na ba rêve, na ba imagination, et dans de manipulation, oyo et comme mayo nil pas. Parce que tant ozo ya, kolo ba liboso ya population, il faut au la ki sa grandeur na yo, et non pas rester na babiloko ya baset ki kunyo baza na kati ya kwa mbeye. Madame, alobi, pourquoi la détournement? Oui, je vais en arriver. Alobi likambo ya secrétaire au Kiste Kabuya, je n'ai pas compris, parce que je n'ai pas compris ça. Comme ma combo ya secrétaire général. Ah, ici nous parlons des institutions et non des individus. Alors, la yoki alobi, on a yé awa pour na ko défendre. Si c'était une question de défendre le secrétaire général, moi, papy, je suis bien placé pour le défendre. Mais ici, nous parlons de la République, des institutions du pays, de la gestion du Parlement. C'est ça, le débat. Mais il y a à Meminga, oh, il y a un point pour défendre Kabuya. Kabuya, c'est mon secrétaire général. Je suis dans les droits de le défendre infiniment. Et personne ne peut pas m'interdire. Et pour défendre le secrétaire général, il n'y a pas question à ce que non secrétaire général au Kiste Kabuya me donne des moyens pour venir le défendre. C'est parce qu'il dirige le parti, moi je suis obligé gratuitement, avec obligation de défendre mon parti. Alors, Nazo Zongela na mutuna ya corruption, maman, Eza, le Kambu Oyo. Tozo combattre yango, toko kite maman, tozo combattre yango. Toko si lisa yango pété pas corruption et si la kate, mais toko sa la se keno est diminué sensiblement de façon que nos recettes yamboka ban amboka. Ce qui, au moins corruption, et ça grâce à injustice, et ça la qui est installé namboka, ou injustice sociale. Nde et mema biso, et banda na Mobutu. Mobutu, aya awa, il avait abandonné la population et ça lia se keno lorsqu'il a, il y avait cessation de paiement pour le travailleur, pour les enseignants. Alors, bato oyo bazali ki na posa ya ko vivre, nde omona ki bakenda ki na ba ko se débrouiller. Un jour, maman, nazo kende na ministère ya énergie, pona kozwa raccordement ya courant. Na komi na liboso ya sous-division ana po na frappé na kota na bureau. Ça, c'était avec, à l'époque de Kabila. Namoni papa moko aye, liboso nanga, il m'a accueilli.
en me demandant, mon frère, vous voulez quoi? Moi, je dis, non, papa, je suis venu, j'ai un problème, je dois avoir les documents. Uh-huh. Alors, maman, tant que tu es, non, mon papa, n'a pas non. Kabila est venu, il a fait sortir ce pays. Dans des bureaux, il a amené le pays dans la rue. Il a institutionnalisé. Eh bien, vous savez, non. Oui. Tant que vous avez fait à Liboso, tant que Félix Antoine Tshisekedi a lobby, je vais déboulonner le système. Vous savez ce qu'il y a, ce qui a été. C'est quoi le résultat déjà? Le résultat aujourd'hui, nous avons 16 milliards de dollars. Merci. Maman a tiqué. Non, non, Zéla. Donc, je vais clôturer par là. Je vais clôturer. Je vais chuter, maman. Je vais chuter. Permettez-moi une minute seulement. Moi, je vais avoir une minute. Mais si on te donne, on nous donnera aussi. Non, non, non. Si vous voulez, moi, je vais vous donner la mingue. Question, mon tout est tikali. Maman, à comprendre, maman. S'il vous plaît. Il a pour la question. On peut s'ingater un peu par rapport à Bandi. La question reste de Mobutu. A Tshisekedi, tous les candidats à Kabila, pourquoi qu'il n'y a pas de longue corruption, de tournement, de longue bantif alerté. Question à la éthique à la population. Je pense que prochainement. On se retrouve prochainement. Au revoir.